S'il faut, je lance le record quand même, on sait jamais. Salut, toi qui regarde cet enregistrement, comment vas-tu? On est parti pour une nouvelle carrière suivie. Ah voilà, j'ai lancé le record, les amis, on est prêt! On est fin prêt, le record a été lancé. On va partir sur OTS2, je préfère lancer le record comme ça, ceux qui ne sont pas en live peuvent regarder ensuite la rediffusion, ça paraît très logique. Voilà, je vais redescendre. Et oui, Swick, c'est exactement celle-ci en plus. Oui, pomme fruit rouge, c'est ça. C'est exactement celle-ci. Ça fait plaisir. Allez, je replace tout et on va sur le PC. Allons-y, mesdames et messieurs. On y est. La musique vivra comme vivra le blues. C'est pas ça. Allez, bien et toi? Salut Ludo! Il est posé. Ah bah oui, je suis posé comme d'habitude, Guilhem. Je suis toujours posé. C'était quoi ce délire tout à l'heure vers 18h40 sur On démarre? On démarre. Je sais pas ce que c'est. J'ai raté quoi à part ton retard? Mon retard! Mon retard. Allez, on y va les amis, let's go, on va continuer. Dites-moi si la musique est trop forte, je la baisserai évidemment. Je fais selon vos envies. Et on va commencer à partir alors. On n'a pas d'oiseau, il me semble. Non. Alors, dégage-moi ça. Pourquoi tu as avancé le live? Eh ben parce qu'à 21h, j'ai quelque chose à faire, tout simplement. Alors, marché du travail, offre de fret, Dajzer, Rennes, Plymouth. Ah, mais on est au Royaume-Uni? On est au Royaume-Uni? Comment est-ce possible? On avait fini au Royaume-Uni. Ah oui, en plus, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça a commencé 30 secondes de live. Il est chaud, Super Kallax. Alors, nous, on va repartir de là. Par contre, je ne retourne pas, vous savez, au Danemark parce qu'on y était déjà l'autre fois. Bruxelles, tiens, allez, Bruxelles, je prends des pièces automobiles. Allons-y. Direction la Belgique. Je passe un petit peu le son. Est-ce que le son est bon, mesdames et messieurs? Il est chaud, joli Volvo, salut Galax. Salut à tous ceux qui arrivent, le marginal et tout, et tout, et tout. As-tu déjà signé des autographes? Non. Non, et je ne souhaite pas en signer, voilà. Prends la moisseau. Oh non, j'en ai déjà pris. On y va, écoutez, je vais aller chercher ce truc. J'espère que le son est bon en tout cas. Non, on est parti. Je me mets pausé. Et on va aller chercher la marchandise. Ah, peut-être que le son du jeu est trop fort. Ah, c'est possible que le son du jeu. What the fuck? Possible que le son du jeu soit un petit peu trop fort. Moi perso, bien envie de baisser le son du jeu. Attendez. Moi je vais baisser le son du jeu parce qu'il est un petit peu trop fort. Alors oui, on fait les petits réglages des habits évidemment, hein. Petit réglage. Alors on va le mettre comme ça. Volume principal, on va laisser comme ça. J'ai juste baissé un petit peu les effets. Est-ce que ça suffit? On va voir. Ouais. Un petit peu plus encore, mais léger. Hein. Encore un tout petit peu plus parce que là, moi, je préfère entendre en fait plus la musique que les effets sonores, que les effets du jeu en fait. On va voir. Je pense que ça devrait le faire comme ça. Allez, avançons! On y va, on va chercher la marchandise. Donc elle doit être là-bas, il me semble, dans la ville, ouais. On roule à gauche, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie de rouler à gauche. Alors, je viens de tourner ma chronique du routier tout à l'heure. La chronique du routier 104, du coup. Et je peux vous assurer un truc. C'est qu'elle est un peu particulière dans le sens où on va sur une map qu'on n'a jamais visitée. Et bah, c'est chaud. C'est très très chaud comme map. Mais bon, en tout cas, c'est marrant. Alors, Dajzer, croyez donc, Bruxelles. Enfin, c'est pas très chaud, c'est juste un peu particulier. J'ai mon siège qui recule quand j'appuie sur la pédale, c'est normal. D'après vous, est-ce normal? Comment tu trouves les Sims 4? Je trouve les Sims 4 vraiment génial. Voilà, j'ai aucun souci avec ça. Après, c'est vrai que bon, on peut râler sur certains oublis du 4 par rapport au 3, mais bon, écoutez. Moi, tant que je m'amuse dessus, c'est le principal. Après, il y a les bases des. Enfin, non, justement, il n'y a pas la base des Sims, c'est-à-dire qu'il manque pas mal de contenu, mais c'est la politique d'EA, on n'y peut rien. Ça va être rajouté au fur et à mesure des DLC, donc c'est dommage parce qu'en fait, on les a après, mais écoutez, on va être obligé de payer, d'envoyer le fric pour des trucs qui devraient de base être dans le jeu. Donc c'est vraiment le seul défaut que j'allais mettre sur ces Sims 4 et c'est quand même un défaut un petit peu dérangeant. Mais bon, moi je m'amuse, comme je vous l'ai dit, je m'amuse et le principal c'est que je m'amuse et je vais continuer les vidéos dessus parce que je vois qu'en plus ça vous plaît. Et moi, bah je m'éclate. Voilà, tout simplement. Et tant que je m'éclate, je joue. Allez, on y va. Soyons fous. C'est comme Euro Truck. Oh putain, c'est à gauche. Oh putain, j'ai oublié. C'est comme Euro Truck Simulator 2. On me dit tout le temps, mais Galax, t'en as pas marre de jouer à Euro Truck Simulator 2? Eh ben non, du tout. J'en ai jamais marre. Comme ça, au moins, vous le savez. J'en ai absolument jamais marre de jouer à ETS 2. Alors, colle-le au sol. Ah non, ce qu'il y a, c'est que des roulettes. C'est des roulettes et le siège, en fait, c'est pas un. Enfin, tu vois, c'est une chaise de bureau. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et elle roule, et elle roule. Du coup, j'ai pas collé les roues. Ce serait con. The Tanguy, c'est bien d'être premium. Alors moi je suis pas premium, je vois pas l'intérêt. Alors en tout cas je tiens à dire bravo
à la GRTV, à la Gaming Room. Pourquoi? Parce que, les amis, ils ont réussi à modifier le truc de Adblock. Ça veut dire que maintenant, nous, streamers, on peut enfin streamer avec Adblock. C'est-à-dire que j'aurai pas le son des pubs qui va venir me faire chier pendant les pauses. Et vous ne l'entendrez pas. Oh putain, le feu. Et vous ne l'entendrez pas non plus. Ça, c'est quand même excellent. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça excellent. Voilà. Et non, j'ai soutenu. Oui, The Tanguy, il me semble que tu m'avais soutenu. Je te remercie d'ailleurs, il me semble, si je me rappelle bien. Si j'ai la mémoire... J'ai la bonne mémoire. J'ai oublié de couper Internet, ça veut dire que ma mère peut aller sur Internet inopinément. Ça peut être dangereux. Très dangereux. On verra bien. Est-ce que acheter QCD est un bon site pour acheter les jeux? Oui, Juju. Oui, Juju, c'est un très très bon site. Moi, je l'utilise en fait. Enfin, je suis partenaire avec eux. Et véritablement, enfin, vous le savez. Mais véritablement, les amis, c'est vraiment très très bien comme site. Ils sont très fiables. J'ai jamais eu aucun souci. Alors, de temps en temps, c'est eux qui me les envoient. De temps en temps, c'est moi qui achète directement les jeux dessus. Et j'ai véritablement jamais eu aucun souci avec ce site. Donc, clairement, je vois pas pourquoi je vous le conseillerais pas. Voilà. Galak, j'aimais pas trop le concept du jeu des Sims 4 et finalement j'ai bien aimé ton dernier épisode. Alors le dernier épisode c'est celui de tout à l'heure, je suis pas sûr que t'as eu le temps de le voir, mais celui du dernier épisode il est assez énorme parce que le dernier épisode on fait beaucoup de choses. Je vous spoile pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il est disponible, je l'ai mis vers les 6h30, n'hésitez pas à aller le voir après le live, parce que franchement il est pas mal cet épisode numéro 4, il me plaît bien. Voilà, on a enfin réussi à faire des choses intéressantes. Ah là là. Quel est le jeu qui t'a fait le plus rager? Question de BP45. Alors, quel est le jeu qui m'a fait... Passe la vitesse, mais je sais. Le jeu qui m'a fait le plus rager... Putain de chaise qui recule. Honnêtement, alors j'aurais du mal à vous dire. Je bois un coup. Le jeu qui m'a fait le plus rager, je dirais... Peut-être Call of Duty. Mais vraiment... Non, mais sinon, rager, je me souviens d'un jeu que beaucoup de gens connaissent, ceux qui ont en tout cas connu la PS2, c'est Jack 2. Vous connaissez Jack and Daxter? Et bien, Jack 2, c'est un jeu qui m'a fait extrêmement frustré, parce qu'il est très bon, il a très bon côté, mais alors, qu'est-ce qu'il est dur? Voilà, par exemple, de la série Jack and Daxter, il y a Jack 2, après, bon, il y en a plein. Voilà, honnêtement, je vais pas vous dire. Sweet, comment vous allez? Bah écoute, Sweet, moi, je vais bien, en tout cas, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour les autres, j'espère qu'ils vont super bien. Je sais bien que c'est la rentrée, mais on fait avec les gens. On fait avec. Salut Galax, salut Xavier. C'est ce qui arrive en tout cas. Alors, entre 600 et plus de 3000 euros. Un PC, bah oui, après tu as toutes les tranches de prix. Hein. Galax est comme moi, il va pas dans Minecraft. Non, il ne fait pas dans Minecraft. Alors j'avais hésité, vous savez pour certains, à faire une vidéo spéciale 70 000 abonnés sur Minecraft. Et puis au final, non, je ne l'ai pas faite parce que ça aurait été un petit peu... un petit peu trop chiant, parce que je vois pas ce que j'aurais pu faire. À part pour déconner, ça aurait été juste de l'humour, mais bon, ça aurait été un petit peu nul quand même. Voilà. Alors, bonjour, je suis en retard de 13 minutes. Y a pas de souci, GTA. Y a pas de souci, GTA X Kenshi. Voilà. J'ai pas encore vu le dernier épisode Sims 4, mais j'ai bien aimé l'épisode 3 et j'irai voir le 4ème. Ah, oui, parce que je trouve que le 4ème est un peu plus diversifié que le 3ème. Parce que dans le 3ème épisode, alors c'est mon avis, parce que moi aussi, vous savez, des fois je me fais des avis sur mes propres épisodes de Let's Play. Et clairement, le 3ème épisode est moins bon que le 4ème. Voilà, enfin, c'est mon avis. Donc n'hésitez pas à aller voir, il est moins bon que le 2ème aussi. Mais bon, on a toujours quelques préférences au niveau des jeux, les amis, c'est normal. Alors, pardon en tout cas de faire le live aujourd'hui, parce que, enfin, de faire le live à 7h06, il est 7h13, parce que je me doute, les amis, que certains, bon, mangent à ces heures-là, c'est pour ça qu'on est beaucoup moins nombreux, mais c'est pas grave, autant rester en petit groupe, ça me dérange pas. Et clairement, oui, voilà, je voulais vous dire, pourquoi j'ai déplacé, parce que j'ai quelque chose à faire à 21h, bon, c'est ma vie privée, ça vous regarde pas, mais voilà, on a tous des sorties, des trucs à faire, etc. Et donc voilà pourquoi j'ai déplacé, et je m'en... Bon, je veux pas dire. Y'a pas le frein à main? Attendez. Ah si. Je veux pas vous dire que je m'en veux terriblement. Je veux dire, excusez-moi de vous avoir peut-être pas prévenu avant. Et je sais que certains, je les empêche peut-être de manger. N'hésitez pas à manger devant vos écrans. Hein. Je sais que c'est. Alors, faut pas le faire trop souvent ça. Manger devant l'écran ou manger quand on fait un stream, c'est pas forcément le top au niveau culinaire. Enfin, non, au niveau du régime. On sait que manger devant des écrans, devant la télé, c'est pas bon. Bizarrement. Hein. Je dis bien bizarrement parce que. Je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, c'est pas forcément bon, faut éviter. Mais pour cette occasion, je vous en voudrais pas. En gros, c'est ça. Oh là là. Allez, on y retourne, 8ème. Non, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois bien que j'ai fait 9-2 ou 8-2, un truc comme ça. Énorme. On n'est pas tous blindés aussi. Ouais. Galax, tu me vends du rêve, ce teaser sur les Sims.
Ce teaser. Alors, j'ai pas fait de teaser. J'ai pas fait de teaser sur les Sims, mais j'aurais pu. J'aurais pu. Oh là là, j'aurais pu. Quand le tournoi sur MK8? Je sais pas. Je sais pas, là, justement, je. L'idée me trottait dans la tête hier parce que j'ai capturé une vidéo avec ma soeur sur MK8. Enfin, un gameplay qu'on avait fait, on l'avait pas commenté, hélas. Juste un gameplay, et je pensais annoncer un tournoi, justement, à. Avec ce gameplay-là, j'allais vous annoncer en vidéo, pourquoi pas, un petit tournoi. Donc je verrai peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, on verra. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est sûr que quand j'aurai mon site officiel, il y aura des petits tournois qui seront organisés. Mais avant, je pense quand même, parce que mon site, il est pas prêt de sortir. Voilà, donc véritablement, on organisera quelque chose avant. Ne vous en faites pas, les amis. Je verrai ça dès la semaine prochaine. Je vous tiendrai informé, évidemment, pour tous les trucs. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai à penser aussi à la suite de The Last Door. Vous savez que j'avais commencé un jeu à pixel, en pixel art. Et j'ai envie de continuer un jeu d'horreur en pixel art. C'était vraiment très original. Et apparemment, les prochains chapitres, enfin, je le sais, les nouveaux chapitres, donc 2, 3, 4... voire le cinquième, je sais plus, sont sortis en français, donc du coup ils ont mis la traduction, donc j'ai du taf, hein, voilà, j'ai des trucs à faire, j'ai des trucs à tourner, et j'ai vraiment envie de tourner sur ce The Last Door, que j'avais adoré le premier chapitre, donc je me dois d'honorer, les amis, ce jeu, voilà, que j'aime beaucoup. Alors, stop, Ghost, oui, je veux juste dire bon week à tous. Ah ouais, bon week-end. C'est vendredi, jour du week-end. Ça fait plaisir, et moi, les amis, je vais commencer ma pizza, parce que vous êtes gentils, mais j'ai pas eu le temps de finir de manger. Alors, attendez. Hop. En 12e, s'il vous plaît. Voilà. 12e, 11e. On reste en 12e. Tranquille, vous savez quoi? Attendez. Laisse-moi la pizza là. Attendez. Je vais mettre... Allez, je vais manger une pizza. Oh, ça sent... Oh putain, ça me donne faim. En plus, excusez-moi, je sais que c'est pas très diététique, et que je peux vous donner faim. Attendez. On va se mettre... Au pire, on va freiner. Hein, on va se mettre en 11. Voilà, on se met en 11, on freine, je vais freiner, tac, voilà, là on se met en régulateur, et je touche plus aux pédales, mesdames, messieurs, je fais que tourner le volant. Ah mais non, mais faut tourner après, faut prendre le tunnel, j'aurai pas le temps de manger, je m'en fous, je mange, alors là je m'en fous. Là, je mange. Alors, je sais que c'est pas bien de parler la bouche pleine, par contre, il y a un truc aussi, c'est que j'ai faim, et il y a un autre truc, c'est que j'ai vérifié... Les amis, excusez-moi si je mange en même temps. Hein. J'ai vérifié dans les règles de la GRTV et on peut manger en streamant. Donc c'est bon, je suis pas hors la loi. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, à gauche, ouais. Donc tant que je suis dans la loi, c'est bon. La GRTV ne nous empêche pas de manger en streamant. Tant mieux. Je sais que Binou, de temps en temps, grignotait pendant ses lives. L'autre fois, je voulais pas alors que j'avais faim. Et puis, je m'embête plus. C'est du bien. Pourquoi supprimer des phrases de politesse? Bonjour. Voleur d'idées. Oh. Alors. Ma pizza, oui, elle est bonne. C'est une pizza fait maison avec fromage de chèvre, saucisse knacky, artois. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment pas les knacky, peu importe. Du gruyère, de la sauce tomate, évidemment, et du jambon. Voilà. Donc il y a de la canne dessus quand même. J'aurais préféré avec de la viande. Mais bon, on n'avait pas, hélas, aujourd'hui. On a fait ça assez rapidement. Allez, on repart. Je vais partir plutôt à gauche, là. De toute façon, ça revient au même. Allez, on y va. Avec notre remorque container. De la bonne musique, quand même. Tu m'en laisses un Bougalax? Ah, ça va être compliqué. Ah, je sens que je vais avoir du mal. Peux-tu me citer, alors question de Polo, un site de stream où on ne peut pas manger? À mon avis... Je suis pas convaincu que si tu streams sur un site super sérieux, par exemple sur un stream, imaginons où les hommes politiques font un stream. Ça m'étonnerait que tu puisses manger. Voilà, non mais après voilà, ça dépend des situations. Non mais sinon pour les sites de jeux vidéo, pour les streams de jeux vidéo, c'est vrai que je ne pense pas qu'il y en ait qui interdisent de bouffer, évidemment. J'espère, parce que c'est craigneux sinon. Bon, après c'est vrai que moi, on pourrait le voir un petit peu comme pour un manque de respect par rapport à ceux qui nous regardent. Hein. Au final, ça veut dire que t'as quoi à foutre, t'as juste à manger ta pizza, t'as rien à foutre des gens qui te regardent. Non, voilà, ça peut s'apprendre comme ça, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas super, mais bon, je me le permets parce qu'on est relax, mais c'est vrai que si on était dans quelque chose de plus important pour présenter un jeu, par exemple, bah, je ferais pas comme ça. Voilà, je ferais pas ça. Attends, j'arrive, Galax, tu me laisses une part. Ah, ça va être dur, ça va être dur, les amis, ça va être très compliqué. Alors, déjà, je vais ralentir, putain, mais je suis vachement loin, par contre, ça m'énerve. Ah, attendez, je fasse gaffe. Pas faire n'importe quoi non plus, je vais pas rentrer dans les autres voitures, hein. Non mais oh, on va pas déconner.
Oh, c'est quoi ça? C'est une Renault. Sympa, bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai le rayon de soleil qui commence à me venir dans la tronche. Je ne vais plus rien voir en l'espace d'une minute. Vous allez voir, je vous parie ce que vous voulez. Galaxy Pizza. Mort de rire. Oh, par contre, je vais avoir envie d'aller chier après, c'est ça. Galaxy, j'ai une clé ETS2. Alors, on verra plus tard pour la clé ETS2, là, pas ce soir. Pas ce soir, une autre fois. On n'est pas pressé, on va pas en faire gagner à chaque live, hein, ce week. Faut pas déconner, hein. Faut pas prendre cette habitude-là. C'est pas bien, faut pas toujours tout donner, faut patienter. Oh là là, pour un autre live, Swick. Hop, oulala. Oh. Et donc, pour la prochaine fois, on posera juste une question. Hein. J'ai faim maintenant. Aucun respect, Galax, j'ai faim maintenant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, Galax, je n'en veux pas, je déteste le fromage de chèvre. Ah, tu détestes le fromage de chèvre? J'adore le fromage de chèvre, c'est trop bon. Tampax, qui me traite de Tampax? Ah, par contre, on a des images perdues, les amis. Doit pas y avoir une qualité extrême ce soir. Doit pas avoir une qualité extrême. Parce que j'ai des images perdues. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai eu des images perdues. Alors. J'aime pas prendre cette remorque. Ah oui, elle est instable, oui, oui. Alors, c'est pas que cette remorque là, c'est toutes les remorques, tu sais, qui sont pas en gros en semi-remorque. Elles sont beaucoup plus instables que les autres. Parce que t'as un trou entre les deux. Voilà. Pizza maison? Ouais, c'est ça, pizza maison. J'ai horreur des knackis. Ah voilà, il y en a plein qui ont horreur des knackis. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. J'ai... Alors, ça me dérange pas surtout sur les pizzas. C'est vrai que si tu me donnes une knackis comme ça, bon. Sans plus, mais tu me la mets dans une pizza, ça passe. Voilà, j'ai aucun souci. Alors on est à 90, c'est pas comme dans ma chronique du routier que j'ai tourné tout à l'heure où j'étais à 200. Non, j'étais pas à 200, mais quand même. J'étais pas à 90. Ça craque quoi ça? Elle est bien cuite, hein. Elle est quand même bien cuite. Bon, il y a qu'un petit bout de fromage de chèvre. Je pense pas que vous pouvez le voir, mais il y a qu'un petit bout. Alors, par contre, je vois, je commence à être dans le noir. J'ai oublié de allumer la lumière. J'ai oublié la lumière. Ta remorque, benne est horrible. Alors, c'est pas une benne, hein. C'est pas une benne, c'est un conteneur. Je sais pas où t'as vu que c'était une remorque belle. Et oui, il y a eu quelques chutes de framerate. Bon appétit, merci, je mange, oui je sais, je mange. Je n'ai pas le choix. Alors, on va juste s'arrêter au parking, les amis, excusez-moi, je vais aller rajouter de la lumière. Oh non, bah je suis con. Attention magie. Wouhou, lumière. Que la lumière fût. C'est ça l'avantage, donc on s'arrête pas du coup. C'est ça l'avantage, les amis, d'avoir des projos. C'est que regardez. Attention. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Et là, t'as le projo. Pas énorme. Jusqu'à 21h. Oui, c'est ça. C'est jusqu'à 21h. Tranquillou, dans mon camion, dans mon Volvo, avec de la radio, de la musique, et une pizza, et de la Volvic. Bon, et beaucoup de choses, en fait. Et vous aussi, et vous. Et vous qui êtes à côté, qui êtes sur le siège passager, et qui faites n'importe quoi. Et la lumière fut. C'est ça. C'est ça. Ta connexion ne supporte pas le live, descend la qualité. Ouais, et donc, bah, si ta connexion ne supporte pas du 480p, je te plains. Parce que franchement, déjà que moi, avec ma connexion, ça me fait pitié, mais je peux quand même regarder du 1080p, tu vois. Mais alors toi, si tu peux même pas regarder du 480p, ça fait peur. Non, ou alors t'as un téléchargement légal ou illégal, j'en sais rien, mais t'as un truc. Parce que franchement, avoir une connexion comme ça, il n'y a pas beaucoup, je pense. Nuit, jour, nuit, jour, jour, nuit, jour, nuit. N'importe quoi. Griller. C'est pas possible, c'est pas impossible, oui, que ça grille quand on fait ça. C'est pas bon du tout. Galax, as-tu un smartphone? Si oui, lequel? J'ai un Android. Est-ce que je l'ai là? Non. Si, attends. Voilà. Alors, attends. Je te le présente. C'est le nouvel iPhone 7. Regarde. iPhone 7 dépliable, bon, ils sont repassés au coulissant, regarde. Ils sont repassés au coulissant, véritablement avec un écran tactile en dessous. Non, je rigole. Faut que j'arrête, c'est la 3DS. Non, donc, pour déconner, sans déconner, je veux dire, oui, j'ai un Android. C'est un Xperia U. Voilà. Alors, votre emploi du temps? Alors, moi, mon emploi du temps, celui qu'il est, il est pas mal. Alors, les Sims 4, de temps en temps du Zelda... A Link Between Worlds sur 3DS. De temps à autre, quelques vidéos First View. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On tourne à droite. Ensuite, bah, on a du Road Truck 2, de la chronique, des balades, des lives de temps en temps.
Moi j'aime bien mon emploi du temps. Il est pas mal. Je m'amuse bien. Je m'amuse bien dans mon emploi du temps. Je ne sais pas vous. Ah c'est vrai que moi les emplois du temps quand j'étais au lycée, bon Dieu. Enfin au lycée, au collège tout le temps, j'étais celui, et ça c'est vrai, hein, je faisais tout le temps partie des classes, ceux qui avaient un emploi du temps de merde. J'étais toujours là pour les emplois du temps de merde. Surtout au lycée, je me souviens au lycée routier c'était... C'était énorme. Après voilà, vous allez me dire, oh mais arrête, en fait c'est les heures sont dispatchées, mais en fait c'est les mêmes, oui bien sûr. Quand tu voyais qu'il y en avait qui terminaient le vendredi à midi et que t'en avais qui faisaient toute la journée jusqu'à 18h le soir, tu fais lol quoi. Je vous jure. Au live du mercredi après-midi, je serai pas là, j'ai cours. Galax retraité. Ah ouais, bah, je suis à la retraite. Hein. Ah ouais. Ah mais carrément. Moi je suis le retraité de YouTube. Hein. Ah ouais. Moi j'ai 80 balais là, je suis retraite, hein. C'est bon. Tranquille. Tranquille. Ma pension. J'emmerde plus personne. Je fais des vidéos. Voilà. C'est comme si j'étais à la retraite. Pareil. Énorme. Alors, avant d'avoir la fibre Galax, j'avais une connexion avec laquelle je ne pouvais. Pardon madame. Avec laquelle je ne pouvais regarder une vidéo qu'en 360p. Autre chose en parallèle, ça craint, mais ça existe. Oui, ça existe, mais il n'y en a pas tant que ça. En général, maintenant, ils ont tout le monde. Alors, si on demande, évidemment, parce qu'il faut demander, il faut oser de demander pour votre connexion. Si vous demandez, vous pouvez avoir au moins un minimum. Et enfin, pour la plupart, je dis bien, il y en a évidemment, il y en a, mais c'est pas répandu partout. Voilà, pour la plupart, vous avez une connexion ADSL de normale, c'est-à-dire upload 0,80, et en descendant, bah, au minimum 3 ou 4, 5, quoi, voilà. Et avec ça, on peut regarder quand même des vidéos en 720p, je pense. Voilà. Faut pas déconner! Ou au pire, vous la laissez charger pendant 2 heures, comme ça au moins elle charge et vous aurez une bonne qualité. Énorme. Yo Galax, je suis nouveau sur le live. Bienvenue Reflex! Par contre, il me semble que j'avais vu un Reflex, donc ça devait pas être toi. Hein, je me rappelle d'un Reflex. Vous êtes plusieurs à porter ce nom. Reflex! Yeah! Quand tu as créé ta chaîne YouTube, tu pensais arriver à combien de galaxies? Hein? Alors, à combien de galaxiens Alors, à la base, donc je vous appelais même pas les galaxiens, parce que j'avais pas appelé ma communauté les galaxiens. J'avais juste mis Galax comme ça. Non, alors au début, oui. Alors, honnêtement, là, je sais pas, parce qu'au début, je m'attendais à rien du tout. Alors, au début, quand? Parce que si c'est au début sur Dailymotion, début sur Dailymotion, j'avais 40 abonnés, tu vois, donc je m'attendais pas à plus de 100 abonnés, on va dire. Si ça marchait bien. Sur YouTube, je suis arrivé sur YouTube. J'ai mis un petit moment, mais j'ai mis moins longtemps que sur Dailymotion. Donc je me suis dit, si j'atteins un jour les 1000 abonnés, je serai super content. Voilà. À l'époque, c'est ce que je me disais. Mais en même temps, on n'a pas la notion qu'on a aujourd'hui du nombre d'abonnés. Parce que maintenant, je veux dire, sur YouTube, t'as 50 000 abonnés, c'est pas extraordinaire. Je vous jure. Hein. Avant, t'avais 50 000 abonnés, t'étais le roi du pétrole. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Voilà, donc là c'est complètement différent. Les chiffres ont changé. Oh, c'est pas du tout les mêmes statistiques à avoir par rapport à avant, par rapport à l'ancien YouTube, j'ai envie de dire, qu'on connaissait avec Diablo X9 par exemple. Voilà, quand il a commencé, lui, il avait 70 000 abonnés comme moi aujourd'hui, c'était le roi de YouTube quoi. Voilà. Pour vous donner une idée, maintenant, une star de YouTube, une star de YouTube entre guillemets, une star de YouTube, on va dire que c'est 1 million d'abonnés. Voilà. Bon, ou 500 000, allez. Bon, ok, même 300 000 si vous voulez. C'est minimum 300 000 abonnés. Voilà. Si t'as pas 300 000 abonnés, t'es pas une grande star de YouTube. En gros, c'est ça. Avant, t'avais 50 000 abonnés, t'étais une star de YouTube. Voilà. C'est mon avis. L'entreprise est finie, c'est une team multigaming maintenant. Exactement. Voilà. Alors, je vois qu'il double, donc on va pas se déranger. On va doubler. Maintenant, c'est une team multigaming où on joue à plein de jeux. Enfin, on joue à plein de jeux, ou on va jouer à plein de jeux. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, alors bon, Swick, je vais être franc, totalement franc avec toi. Évidemment, de temps en temps, je participerai à des, pourquoi pas, à quelques events que vous allez faire sur les jeux. Mais la principale activité que je vais avoir au niveau des jeux, des événements, etc., ce sera sur mon site officiel. Parce que je vais avoir mon site officiel, il y aura un forum et tout, et forcément, les événements importants que je voudrais faire seront là. Voilà. Donc je sais que Swift tu vas pas être content parce que je ferai pas beaucoup de trucs avec vous. Mais voilà, oui, c'est vrai que les gros trucs que je compte faire seront sur mon site et pas donc du coup sur le site des Galaxiens. Voilà. Déverrouille un succès, manger en conduisant. Ah pas con ça, attends, je vais essayer. Je vais essayer de le débloquer. Parce que là j'y suis pas encore. Faut continuer en peut-être manger la tranche entière. Attends. Ah. Peut-être manger la tranche entière.
Je sais pas, c'est possible. Elle commence à refroidir. Elle commence à refroidir la tranche, c'est pas normal. C'est bon. J'aime bien. Mais la pizza, par contre, attention, faut pas en manger tous les jours, ça fait grossir. Si vous en mangez tous les jours, vous allez ressembler à un bibendum. C'est pas cool, quoi. Allez. Je viens juste d'arriver. Salut, Roger. Combien tu as payé le Wilson Pro? 120 euros, il me semble. 115 ou 120 euros. C'est pas trop cher, mais c'est un coût quand même. Voilà. Après, c'est bien pratique parce que si tu veux, il bouge plus du tout. Il est bien fixé sur le plateau. C'est génial. Et les pédales ne bougent plus. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de le mettre contre un mur ou alors mettre une mousse, etc. Tu l'as vraiment directement mis sur le socle et ça ne bouge plus. Mais quand je dis que ça bouge plus, c'est que tu peux carrément taper dessus. Que dalle. C'est nickel. Mais j'ai pas Minecraft et vous, trop sucré ni trop salé. What? Alors moi, j'aime pas le sucré salé. Je sais pas si c'était ça que tu voulais dire. Moi je n'aime pas le sucré salé. La 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 la. Alors on va arriver au lieu de livraison, les amis. Je vais boire un petit coup parce que la pizza ça donne. Oui, la pizza ça donne soif. Ah là, ça fait du bien. Ah. Alors si je parle un peu moins que d'habitude, c'est normal. C'est parce que je mange, parce que je bois, etc. Allez, 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 passe mini. De Dieu, j'ai cru que j'allais lui rentrer dedans. Elle voulait pas. J'y ai cru. Alors, je me permets aussi de faire un petit peu n'importe quoi et de dire un petit peu n'importe quoi et de faire n'importe quoi, je vous l'ai dit, en mangeant et tout, parce qu'on n'est pas nombreux et je savais qu'on ne serait pas nombreux. Pour ça que je me permets de faire ça. Sinon, je pense que s'il y avait 300 personnes, je serais pas en train de bouffer devant mon écran. Oh ! Putain ! Merci, Fast Fever, et rien que pour toi, j'ai eu les jetons, je prends un morceau de pizza. C'est de ta faute, voilà. C'est de ta faute, je suis désolé. Voilà. C'est de ta faute. Yo tout le monde, bah, bienvenue à tous, en tout cas ça me fait plaisir que... J'arrive même pas à parler avec le bout de pizza, c'est incroyable. Normal, bricote, 83 c'est le soir. Ah, salut Jacob, je t'avais pas vu. Ah mais non, mais il fallait pas venir sur ce live, tu vas te foutre de ma gueule avec la pizza, c'est pas drôle. Et oui, le nombre d'abonnés est devenu l'un des seuls buts à des nouveaux vidéomakers, le fait d'en vouloir toujours plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon après, moi je dis pas que je suis contre avoir beaucoup d'abonnés, hein. Ce serait un petit peu faux cul de dire ça, de dire non, moi je m'en fous d'avoir des abonnés. Ça reste important. Ça reste important quand même. Après, ah bah, relax, don't you worry. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je préfère avoir moins d'abonnés et des abonnés qui suivent. Il vaut mieux avoir des abonnés qui suivent et que t'en aies moins. C'est quand même mieux. Hop, continuez. Alors, on a un point, les amis. Donc, on s'améliore dans notre carrière. ADR, longue distance, marchandises, grande valeur. Alors, moi, je vais prendre plutôt l'évasion juste à temps. Je sais pas quoi prendre. Marchandise fragile, allez. On va se faire de la marchandise fragile. Je vais pas prendre de la longue distance parce que moi, ça peut vous paraître bête. Bête, d'accord. Putain, je sais plus parler. C'est parce que j'ai mangé, je mange en même temps, ça me nique la voix. C'est bizarre. Je vais dire quoi? J'ai encore oublié ce que j'allais dire. Ça me le fait une fois par live et à chaque fois, j'oublie ce que j'allais dire. On va prendre une nouvelle livraison, tant pis. J'ai oublié, ça m'énerve. Ça m'énerve d'oublier vivement que j'ai le retour de mon casque pour vous commenter des vidéos sans ce truc-là en plein sur la caméra, nom de Dios. C'est pas cool. Alors, tac, Hanovre. J'ai pas envie de retourner en Allemagne. J'ai pas envie de retourner en Angleterre. Donc on va aller à Reims. Voilà, on va aller en France. À Lidl. À Lidl. Est-ce qu'il y en a qui font leurs courses à Lidl ici? Oh là là. Ou à Norma. Moi, à une période, mes parents faisaient les courses à Lidl. Pendant, mine de rien, pendant longtemps. Hein. Et puis maintenant, on fait les courses à Intermarché. Bref, on s'en fout, mais... c'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux, et puis au final, on bouffait un petit peu de la merde chez Lidl. Donc au moins, comme ça, on bouffe un peu moins de la merde. Je vous dis pas qu'il y a pas de merde, mais un peu moins. De toute façon, il y a de la merde partout, hein, mais on a un peu moins sa limite, parce que franchement, quand tu prends des trucs dans les hard discount, des fois,
C'est très gras, c'est très mauvais, c'est plein de cochonneries. C'est pas bon. Oh mais regardez, on a une entreprise allemande. Regardez-moi ça. Une entreprise allemande juste ici. Incroyable. Incroyable. Franchement. Tu n'aimes pas les longues distances, quoi. Pas suiveur. Non, alors c'est pas que j'aime pas les longues distances. Mais clairement, c'est pas ça. J'aime bien dans le jeu faire des courtes parce que comme ça je peux faire les pauses, si tu veux. Donc côté pratique, c'est mieux. Alors, Fast Fever, au fait, j'ai oublié de te dire merci beaucoup. Je t'ai oublié. Ça m'étonne que tu m'aies pas mis. Au fait, tu m'as pas dit, bobo, je tiens. Non, vraiment, merci beaucoup pour ton tip. Merci beaucoup. 5 euros du coup de Fast Fever. En même temps, vous avez pu voir le message. Il me dit, salut le routier, bien les affaires. Eh ben, bien, très bien même. Ça va, tout baigne. Ah bah tiens. Oh là là. Allez, deuxième. Merci à Reflex in Live. Merci Reflex pour ton don de 2 euros, ça fait plaisir. Voyez-vous, donc les affaires vont très bien, comme vous pouvez le voir. Merci Reflex, ça fait plaisir. Salut Glax, c'était le meilleur, je t'adore, merci pour tout, tu le mérites. Merci à toi Reflex, ça fait plaisir. Merci à toi. Et je crois que je suis allé au mauvais endroit. À force de vous parler, ça, et de votre faute. Merci Reflex et merci également à Fast Fever. À Fast Fever, ça, il me semble, ouais. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, vous voulez savoir à quoi ça va servir vos dons? Parce que bon, je sais que des fois vous vous dites, ouais, mais les dons, tu dois t'acheter une voiture, tu vas faire ci, tu vas... Non. Ce que j'ai fait avec vos dons, j'ai les 25 euros de dons que j'avais sur PayPal, je les ai utilisés pour m'acheter un nouveau micro. Alors, un micro, les amis, pour, vous savez, pour les facecam, justement. J'ai pris un micro, tout ce qu'il y a de plus basique. Bah, je teste. Si ça va pas, je le renvoie à Thomann, c'est 30 jours satisfait ou remboursé. Donc, je prends pas de risque. Donc, j'ai pris un micro large membrane, comme j'avais presque au début de ma chaîne YouTube. J'ai pris par contre un truc en XLR. Comment il s'appelle déjà? Putain, je sais plus. Le T-Bone. T-Bone. T-Bone SC400. Voilà, apparemment il est bien coté. Donc on verra bien. Si ça va, je le garde évidemment et j'utiliserai pour les effets commentaires. Si ça va pas, eh ben écoutez, je le renverrai. Voilà, c'est pas plus compliqué. Allez, on va à Reims. Allons à Reims. Donc aujourd'hui c'est très simple, les amis. On fait une pause à 20h. Voilà, à 20h on fait une pause et puis après on repart jusqu'à 21h. Voilà, il y a 2 heures de live, une pause au milieu. Parfait. Voilà, vous avez compris. Alors, where Lavovic? Oh putain, oh putain. Oh là là, attendez. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Attendez, je prends la remorque, la semi. Voilà, c'est bon. J'en serais bien fier au vu de ce que je propose. Qu'est-ce qu'il a dit, Squeak? Oui, haha. Ah, possible, oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Squeak? Tu serais peut-être à ce niveau d'abonné? Ah, oui, d'accord. Ok. Ouais, bah. Ouais, bah après, mais si c'est sur Dailymotion, c'est très. Enfin, tu le sais, on va pas reparler de Dailymotion et YouTube. C'est pas du tout le même niveau d'abonnés, en fait. C'est pas, y a pas le même engouement non plus sur les deux plateformes. Mais bon, voilà. C'est bien triste d'ailleurs. Bah bon, après. Faut choisir le groupe, hein. Je veux dire, on a tous le choix de faire comme on veut. Toi, Jacob, tu as décidé de rester principalement sur Dailymotion. C'est un choix. Moi personnellement, j'étais sur Dailymotion avant et je suis passé sur YouTube. Mais en fait, je ne connaissais pas YouTube. Maintenant, alors, bon, pour être honnête, je connaîtrais YouTube, je serais passé sur YouTube. Voilà. Je ne connaissais pas, je suis passé sur YouTube à l'époque pour Dream Actu, enfin, tu dois t'en souvenir. Bah bon. Voilà. Et puis finalement, j'aimais bien. Voilà. J'aimais bien YouTube. Je trouvais que l'interface était sympa, mais c'est vrai qu'au final. Impression que YouTube, ouais, YouTube au niveau de l'interface ressemble ou c'est Dailymotion. Je trouve que les deux au niveau de l'interface se ressemblent de plus en plus. C'est ça le truc. Peut-être que Dailymotion est même plus ergonomique. Il faudrait voir. Mais non, moi j'ai aucun problème avec les deux plateformes. Alors, car c'est un guignol au final très prometteur, très profiteur et non naturel. Alors Jacob, je ne sais pas de quoi tu parles. J'espère que c'est pas de moi que tu parles. Je t'ai vu IRL. Ah! Swick a vu Jakov IRL. Ouh. Galax, ta prochaine vidéo sort quand? La prochaine vidéo, alors elle sort demain, il y a des vidéos tous les jours. Donc ce sera demain la chronique du routier numéro 104, je fais le montage ce soir. Et il y aura du Birds of Steel dimanche. Voilà, et les Sims 4 demain, enfin les Sims 4 tous les jours de toute façon. Parce que j'aime bien les Sims 4, donc en ce moment c'est vrai que le programme est un petit peu chamboulé. Parce que les vidéos sur les Sims 4 c'est vraiment un jeu qu'en ce moment bah, je torche complet, hein, autant vous le dire.
Mais voilà, c'est vrai que véritablement, il y a en ce moment 2 vidéos par jour sur la chaîne Simu, mais c'est temporaire, il n'y aura pas toujours 2 vidéos par jour, c'est beaucoup, mais il n'y aura pas toujours ça. Galax, car je demandais où j'en serais aujourd'hui si j'avais commencé YouTube en 2009. Ah oui! Bah c'est vrai que c'est une question qu'il faudrait se poser. Après, Jakov, si je regarde un petit peu le public qui est visé au niveau des jeux et tout sur YouTube, une chaîne multigaming se développe beaucoup, 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 beaucoup moins vite qu'une chaîne spécialisée. Donc je, en toute objectivité, ne le prends pas mal, mais je pense pas que t'aurais énormément d'abonnés. À mon avis, c'est mon avis propre évidemment, parce que c'est très compliqué d'y aller avec une chaîne multigaming. Moi j'ai fait énormément de vidéos sur ma chaîne multigaming actuellement. Je suis à 27-28 000 abonnés avec cette chaîne-là. Et c'est grandement dû à la réussite, entre guillemets, à la petite réussite que j'ai avec ma chaîne simulation. Ça m'a rapporté énormément d'abonnés de l'autre côté. Voilà. Mais c'est vrai que directement, ça n'a pas été un succès dû à ma chaîne multigaming. Hormis peut-être des let's play sur GTA V, Beyond Two Souls. Mais encore une fois, pourquoi? Pourquoi j'ai pris des abonnés à ce moment-là sur ces jeux-là, sur ces séries? Tout simplement parce que ça avait fait, bon je dirais pas le buzz, mais c'était de l'exclu, en fait, ça tu connais bien. Et le truc de l'exclu, ça fait que tu prends des abos, etc. Et donc toi, vu que c'est des walkthroughs, forcément tu fais pas les jeux à la sortie, donc tu prends pas une tonne d'abos à la sortie d'un jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est vrai que de ce côté-là, je suis pas convaincu, en toute objectivité encore une fois, c'est pas contre toi que t'aurais eu beaucoup d'abos sur YouTube. Voilà, c'est par rapport à ton concept de vidéo en lui-même, je pense. Voilà. On habite à 10 minutes. Après, on sait pas. Hein. Après, on sait jamais, évidemment. Quoique, commencer en 2009, c'est pas pareil. Parce que quand on regarde les anciens comme Hooper et tout, et qui font évidemment des vidéos simples, tests, reviews, découvertes et tout, eux, ils ont un sacré public. Donc, oui, au final, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est dû surtout à l'ancienneté, alors, en ce cas-là. En ce cas-là, c'est beaucoup dû à l'ancienneté. Moi, je sais que j'ai eu du mal pour me développer. Ça dépend car j'ai fait des jeux vers leur sortie. Ah d'accord. Alors Jakov, ça veut dire que tu as tracé un jeu en un jour et que le lendemain tu fais et que le lendemain tu fais le walkthrough. Oh mon dieu. Ah ou alors tu as déjà fait des let's play et je ne le sais pas. Je n'ai rien raté. Alors salut Léo, salut bienvenue. Tu as rien raté, tu as loupé 43 minutes 27 de live. Voilà. Vu que j'avais 4 minutes de retard, pardon, tu as loupé 40 minutes de live. En gros, c'est ça. Même les walkthroughs sont plus suivis par les Américains entre eux. Ouais. Peut-être c'est possible. C'est pas impossible. Après, excusez-moi si je fais des changements de direction comme ça. Ouais, voilà, mais honnêtement, bon, moi, tu sais que les walkthroughs, je suis pas trop ça. Après, c'est vrai qu'il y en a qui aiment. C'est comme les let's play, il y en a plein qui aiment pas. Et comme tu dis, l'ancienneté joue beaucoup. Ah ouais, 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 ça joue énormément parce que aujourd'hui, allez, admettons. Hooper, alors je prends un exemple, Hooper, alors il est excellent évidemment, il est excellent, il est spécial, c'est l'ours, moi je vois comme l'ours du jeu vidéo, il est vraiment excellent, il a un sens de l'humour et il a une marque, il a un truc à lui personnel qui fait que c'est un videomaker spécial, enfin que tu vas le reconnaître, voilà, ça c'est sûr, mais aujourd'hui, objectivement, est-ce que tu mets un Hooper sur YouTube? Est-ce qu'il a beaucoup d'abonnés s'il sort aujourd'hui? J'ai du mal. J'ai du mal. Parce qu'il fera du multigaming, il fera des trucs ultra classiques. Un site de vidéo ultra classique en tout cas. Je suis pas convaincu du tout que ça suffise par rapport à ce qui. Par rapport à son ancienneté. Son ancienneté fait de lui que justement il est aussi apprécié et connu qu'il est aujourd'hui. Mais voilà. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà. Oula, attendez, je regarde les messages. Galax Hooper ou Baby 300 Alors Hooper ou Baby 300, j'adore les deux. J'adore les deux. Personnellement, je me dirigerais vers Bibi pour un. Comment dirais-je? C'est différent. Non, mais je peux pas dire. Entre les deux, c'est difficile pour moi parce qu'on peut très bien autant aimer deux videomakers. Alors, mon âme de. Comment dirais-je? De videomaker, je me vois mieux, les amis, comme un Hooper que comme un Bibi 300. Après, celui qui m'a peut-être le plus influencé à mes débuts, c'était Bibi 300. Et celui qui maintenant m'influence le plus, ce serait Hooper dans mes choix en fait de vidéos. Voilà, parce que je suis un peu dirigé vers l'humour un petit peu concon, voyez-vous. Voilà, avec le rire et tout. Mais
BB300, il est très doué aussi dans ce qu'il fait, je trouve. Franchement, non, j'aime bien les deux. Ils ont tous les deux beaucoup de talent, je trouve. Voilà. Non, comme pour Diablo X9, il s'agit beaucoup du bon moment pour commencer. Oui, voilà. Hooper, c'est comme Diablo X9, c'est le bon moment. Ils ont le bon sujet, peut-être aussi. Parce que, bon, Diablo X9, il a commencé avec du gaming, ça marchait plutôt pas mal. Et il était sur Dailymotion aussi, d'ailleurs. Il était sur Dailymotion, c'était le bon moment. Mais il a aussi beaucoup évolué grâce à Call of Duty. Donc, c'était la. Le jeu, c'était la sortie d'un nouveau jeu. Pourquoi je suis en 12ème, moi? Qui l'a fait exploser, en fait. Voilà. Tu comptes améliorer ton camion, Galax? Alors, pour l'instant, non, mais c'est vrai qu'il se traîne un peu, je trouve. C'est vrai qu'il se traîne un peu. Tu aurais pas un petit bon jeu à faire pour moi? Pas mal. Salut à tous, je viens d'arriver. Salut, Squab! Oula, j'ai une remontée, la pizza remonte, hein, mesdames, messieurs. Le Volvo, combien de kilomètres? Bonne question, je ne sais plus comment on change l'affichage de l'habitacle, en tout cas de l'écran. Lequel? Une voix d'enfant donne l'impression d'un manque d'expérience, même si ce n'est pas vrai. Alors, bah, on peut en parler au niveau des voix. Jakov, tu en penses quoi? Jakov, que penses-tu? Oh merde. Excusez-moi, je vais m'étrangler en live. Non, clairement, que penser des voix aiguës, des voix graves? Moi, alors, je... Par définition, une voix grave est plus... non, j'ai pas roté, Polo. J'ai pas fait le rototo. Ne te trompe pas. Non, une voix grave est plus agréable par définition, les amis, qu'une voix aiguë. Voilà. Ça, c'est clair et net. On peut pas dire l'inverse. Moi, j'ai la chance d'avoir une voix grave. Mais après, t'es pas obligé d'avoir une voix comme ça pour vraiment dire que t'es un bon YouTuber. Non. Une voix... c'est comme les chanteurs. On peut pas dire qu'un chanteur avec une voix aiguë, il est forcément c'est forcément un bon chanteur. Et un chanteur avec une voix grave, c'est forcément un bon chanteur. Non, non. C'est la même chose, les amis, pour les commentateurs. Par contre, il y a certaines choses qu'il faut maîtriser au niveau de la voix, mais qui n'ont rien à voir avec la sonorité. Voilà, c'est vraiment... Enfin, on peut croire ça, on peut croire que c'est juste le coup du grave ou de l'aigu, mais pas du tout. C'est vraiment, faut gérer ça. Moi, actuellement, je ne cherche pas du tout, les amis, à... Comment dire? Je ne cherche pas du tout à bien commenter là pendant ce live. Parce que si je cherchais à bien commenter le live, je ferais pas comme ça, je mangerais pas de la pizza et je boirais pas, je buirais pas de la Volvic. Voyez-vous, j'aurais conservé ma voix, je parlerais plus posément. Là, bon, c'est un commentaire à l'arrache. Hein. On est bien d'accord. Les voix de 12-13 ans, j'ai envie que le micro bug se coupe. Ouais, voilà. Alors, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que forcément, t'as une voix aiguë, c'est moins agréable qu'une voix grave. Ça, on le sait. Mais entre nous, les amis, même une voix aiguë, tu peux un petit peu la modifier au niveau du traitement. Après, certes, ce sera pas très naturel et c'est un problème. Voilà. Parce que je pense qu'une voix doit être un maximum naturelle. Moi, j'ai fait un test, les amis, sur avec ce micro, justement. Tiens, avec ce micro, avec ma maman, qui est juste derrière. Non, elle est plus loin. Et justement, elle a fait un test avec ce micro. Je croyais qu'en fait, il déformait un petit peu ma voix, mais pas du tout. Vu que vous l'avez vu dans la chronique, c'était exactement les mêmes réglages. Et je vous assure que c'était sa voix IRL. C'était la même voix. Donc clairement, non, le traitement sonore que j'ai avec mon micro est perfecto. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun changement. C'est presque comme ma vraie voix. Voilà. Ma mère n'aime pas sa voix aussi, mon cher Sodium. Ne t'en fais pas, tu n'es pas le seul. Voilà, et c'est pas tout le monde qui aime sa voix. Moi, je vais pas vous dire que j'aime pas ma voix, c'est pas vrai. Non, ma voix ne me dérange pas. Après, moi, ce qui me dérange plus, c'est mon commentaire. C'est pas ma voix, parce que la sonorité de ma voix me va. Je suis content. Alors, honnêtement, pour être normal, je suis content de la sonorité de ma voix, le côté grave et tout. J'en suis très content. Par contre, j'ai toujours des progrès à faire côté commentaire. Mais ça, on le sait. On est jamais au point, de toute façon. On n'est jamais au point, quoi qu'on dise. Voilà. J'ai mué à partir de 14 ans. Alors moi, j'ai eu très rapidement la voix grave. La voix grave. Après, je suis pas celui qui a la voix la plus grave. Hein. Vous prenez Binou, par exemple, lui, c'est... bienvenue pour un nouveau live sur ETS2. Et je connais des personnes qui ont encore plus la voix grave que Binou. C'est pour vous dire. Non, moi, j'ai une voix, on va dire, un petit peu entre les deux. On va pas dire trop grave et pas trop aiguë. Ça tire plus vers le grave, peut-être. Ça tire un peu plus vers le grave, mais sinon c'est pas tant grave que ça et ça dérange pas les oreilles justement. Je prends un exemple de Monsieur de Rive. Vous connaissez-vous Monsieur de Rive? Tiens, il travaille sur judo.com maintenant en tant que journaliste, en tant que rédacteur, il me semble. Et justement, lui c'était un youtubeur et c'est toujours un youtubeur heureusement. Il avait fondé IndieMag avec avec Atomium. Et justement, ce commentateur-là, il est, je trouve excellent, peut-être l'un des meilleurs.
pour ma part, et ils ont bien fait de le prendre sur jeuxvideo.com, il va peut-être redresser un petit peu la barre des autres rédacteurs, sans critiquer. Et donc, véritablement, cette personne a une voix ni grave, ni aiguë, et pourtant, son commentaire, il passe crème, il passe 100 fois mieux que le mien. C'est pour vous dire. Franchement, voilà. Moi, c'est un pro, je le trouve pro à mort. Pourtant, il a pas forcément une voix grave. Voyez-vous donc, ça a pas toujours un rapport. Voilà. C'est pour dire. Ah là, je vous jure. J'aime la voix de ta mère. Ah bon? Eh ben, ma mère n'aime pas du tout sa voix. Binou a une voix grave, mais il commente calmement. Ouais, il commente très calmement. Mais justement, Binou, il fait partie de ces personnes qui pourraient faire de la radio. Justement, parce qu'ils réussissent à parler calmement, posément. Et je le vois très bien dans une radio. Binou... Franchement, je le vois très très bien dans une radio. Vous l'avez vu sur sa vidéo Chronopost où il parle un petit peu avec la net. Il a vraiment une voix à passer dans une radio. Et il le voudrait bien d'ailleurs. Moi, si un jour on a l'occasion avec Binou de monter une radio, énorme. Ce serait pas mal. Ah, bah Galax est déjà en live. Alors, Megafly, je te propose de suivre mon Facebook. Si véritablement. Ou mon Twitter. Mon Facebook ou mon Twitter, si tu veux véritablement savoir. Quand je suis en live, parce que des fois j'apporte des modifications. Aujourd'hui j'ai commencé 2 heures avant. Et on finit du coup 2 heures avant. Eh oui, on arrive à Reims. Mais après, des petits jeunes de cet âge peuvent me surprendre. Ouais. Oui, oui. Alors moi, j'en connais pas qui me surprennent, honnêtement. Faut dire que je passe pas énormément sur les petites chaînes YouTube, entre guillemets. Mais il y a même des grands youtubeurs qui sont jeunes. Hein. Il y a même des grands youtubeurs qui sont jeunes. Et moi, j'accroche pas, c'est vrai. Mais bon. Après, en général, les jeunes, ils font du Minecraft. Excusez-moi, ça peut paraître insultant, mais c'est vrai. Donc bon, voilà. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui sont jeunes et qui font autre que Minecraft ou Call of Duty. Voilà, c'est un peu dommage d'ailleurs. Et c'est quand qu'on aura, les amis, un youtubeur dans la simulation qui fait, comme moi, un petit peu de tout. Parce qu'au final, je me retrouve toujours avec Jouons dans le Pré, qui certes fait un petit peu de spin-tir, fait un petit peu de comment c'est déjà Arma 3, qui fait un petit peu de Arma 3, mais alors, il y a 90% de farming quand même, veut dire, 90% je suis gentil. Voilà, et j'adore jouer au farming, mais nom de Dieu, fais plus de jeux. Voilà, au niveau de ça, alors, bon, après c'est Jouons dans le Pré, et Jouons farming c'est pareil, c'est encore pire même. Voilà, après en même temps, Jouons farming, Jouons dans le Pré, c'est vrai que sont spécialisés sur farming, donc ok, on peut pas leur en vouloir. Mais ensuite, voilà, moi j'aime bien les chaînes diversifiées, et voilà, je trouve que même dans la simulation, il y a tellement de thèmes à aborder, il y a tellement de trucs qu'on peut faire. Regardez, alors, bon, je n'ai pas la science infuse, je ne dis pas que je suis celui qui fait le contenu le plus varié, mais honnêtement, quand je regarde les autres, je me dis, on pourrait faire un peu mieux, quoi. C'est-à-dire, même moi, des fois, j'insiste un petit peu sur certains jeux. En ce moment, je fais beaucoup des Sims 4, pourquoi? Parce qu'il me plaît. Je pense que c'est pareil pour certains autres youtubeurs qui sont spécialisés sur farming et tout. Je pense que justement, ils font que ça, bah, parce qu'ils... Oh merde. Je pense qu'ils font que ça parce qu'ils aiment bien. Voilà. Peut-être qu'ils aiment pas trop les autres jeux. C'est pas impossible, j'en sais rien. Voilà, honnêtement. Honnêtement. Allez, essaye de passer. Yes, on est passé. Oh mon dieu, c'est le dépôt de à la con, là. Ah oui, c'est le dépôt à la con que j'aime pas. Alors, en simulation, j'essaie de voir qui c'est qu'il y a en simulation. Tiens, citez-moi, les amis, tous les youtubeurs simulation. Moi, je joue dans le Pré, mais bon, c'est intime. Pourquoi tu parles toujours? C'est une question... Pourquoi tu parles? Bah parce qu'un commentateur, ça parle. Un commentateur, ça parle et ça commente. Binou, j'aime pas cette mise à quai à Lidl. Je suis pas Binou, moi. Je suis pas Binou, je suis Galax. Dis donc. Alors, je bois un coup. Feras-tu d'autres vidéos sur Train Fever? Oui, il y a des chances. C'est ça, le simulateur alsacien. Je connais le simulateur alsacien. J'avais fait une vidéo avec lui, d'ailleurs. Il est sympa. Jouons dans le Pré, je connais. Bah, moi, oui, ok. Motorsport Gaming. Ah, je connais pas Motorsport Gaming. Parce que, non, j'aime bien aller voir du côté des autres youtubeurs simu. Alors, je connais Nikosov aussi. Danger. Comme ça, je vais aller leur piquer leurs idées. Plagiat! Non, je rigole, évidemment. Ah ouais, non, mais Jacob, ça c'est le style de question. Pourquoi tu parles toujours? C'est... Ah, mais c'est vrai, en plus, mais Jacob, je te jure, on me la pose souvent, hein.
Mais on me dit souvent, mais putain, arrête de parler, bordel! Et à chaque fois, je suis obligé de leur dire, mais écoutez, quand on commente une vidéo, bon, bordel, c'est pour commenter, on n'est pas là pour faire figuration, je veux dire. Ok, je ne dis plus rien jusqu'à la fin du live. Voilà. Je ne dis plus rien, bon live! Trop bien ce live! Ah, il est classe! Non? Sérieux. Essayez de ne pas parler dans une vidéo. Non mais. On s'emmerde quoi, je veux dire, on s'emmerde. Attendez, faut aller se coucher parce qu'apparemment on est crevé. Non, donc évidemment, j'allais pas rester tout le live sans parler, hein. On va pas non plus faire plaisir à certains. Ah merde, on pouvait se coucher là-bas. Oui! Il semble qu'il y avait un parking en contournant comme ça pour le camion. Je vais le mettre là-bas. Mais remarquez un petit peu comment ce que ça fait quand je commente pas. C'est vrai que j'ai eu souvent la remarque. Voilà, il a. J'ai eu souvent la remarque, Galax, tu parles trop. Et bien au final, ok, si vous voulez, je peux plus parler, y a pas de souci, hein. Je peux ne pas parler, mais après, ça ne s'appelle pas. Comment dire? Ça ne s'appelle pas une vidéo commentée. Faudrait que je mette entre parenthèses sans commentaire. Eh ouais! Eh ouais. Alors par contre, on va faire la pause, les amis. Hop! On va faire la pause et ensuite on ira. Attendez, on va déjà prendre l'offre de fret, au pire on va la prendre. Ce sera fait. Hop, alors Reims, Cambridge, London, Paris. Est-ce qu'on reste en France? J'ai que ça? Bon, on va aller à Paris alors. On va prendre les bulldozers. Galaxy dit salut Binou. Salut Binou! Salut Binou! Salut Binou! Salut Binou! Dors Galax. si tu parles pas, ça fait plus walkthrough. Ah non! Ah non! Walkthrough, c'est commenter aussi, voyons! N'est-ce pas, Jacob? On va pas dire ça. Non, allez, je m'arrête. Par contre, on va sauvegarder, les amis. On va sauvegarder. On va faire la pause. Et on reviendra dans 10 petites minutes. Hop, on sauvegarde. Eh ben écoutez, 80 connectés, c'est gentil en tout cas d'être venu. Comment faire un bon commentaire pour débuter? Eh ben, on parlera de ça tout à l'heure. Tu me reposeras la question quand je reviendrai de la pause. Merci à tous d'être là ce soir, même si je sais que bon, ça vous prend peut-être du temps sur votre repas. Excusez-moi en tout cas. Voilà, merci à tous. Vive les jeux vidéo! Non, je rigole, c'est pas la fin. C'est la pause, les amis. On se retrouve dans quelques instants pour la reprise du live. À tout de suite. Bon appétit!